Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Commençons par le renforcement des ressources de l'État de Côte d'Ivoire. La Direction générale des impôts et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a présenté hier l'annexe fiscale 2014. C'était à l'attention des hommes d'affaires et l'ensemble des acteurs du secteur privé à Abidjan, une façon de rendre les impôts lisibles. Herman Niamien. Nous retenons entre autres un relèvement de 25% à 30% du taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux BIC et la suppression de certaines exonérations en matière de TVA. L'annexe fiscale 2014 a été présentée au patronat, aux administrateurs et aux acteurs du secteur privé. Cette démarche est une disposition fiscale qui permet à l'État de Côte d'Ivoire de recouvrer les impôts existants et de définir les nouveaux impôts pour l'année en cours. L'annexe fiscale est soumise après présentation aux hommes d'affaires et au secteur privé. Contrairement aux habitudes, c'est que d'habitude, le test nous est soumis, nous en discutons et on essaye d'arriver à un consensus. Malheureusement, cette année, on n'a pas pris la démarche, mais je ne désespère pas, je me dis que certainement que l'administration avait ses propres contraintes. Nous estimons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit passer à une fiscalité de développement, c'est-à-dire celle qui permet à l'entreprise de Chlore. Oui, la Côte d'Ivoire fait partie d'une communauté économique, notamment l'UEMOA, qui, n'est-ce pas, élabore périodiquement des directives et des instructions qui doivent être transcrites dans notre législation fiscale, dans le cadre, n'est-ce pas, de la fiscalité, qui a donc plusieurs directives qui ont été prises. Et donc, nous essayons donc de nous conformer à ces directives-là pour, ensemble, que nous puissions former une communauté assez forte dans ce sens. L'annexe fiscale prévoit également l'harmonisation des sanctions applicables en cas de non-délivrance de la facture normalisée. Les amendes sont de 10 000 francs CFA par facture non émise pour les contribuables relevant de l'impôt synthétique, 30 000 francs CFA relevant du régime réel et 50 000 francs CFA relevant du régime normal. Beaucoup de filets des autorités douanières, les douanes ivoiriennes, ont saisi près de 500 sacs de cerises de café et de poudre de cacao, respectivement à Tienfiso et à Noé. On fait le point avec Francis Boifou. 257 sacs de cerises de café saisis à Tienfenzo, dans le département de Ménignan, à la frontière du Mali. Valeur de la marchandise, plus de 23 millions de francs CFA. Cette autre saisie des douanes ivoiriennes témoigne de la volonté de ces soldats de l'économie de mettre fin au trafic du café vers les pays limitrophes. Le DG a donné des instructions fermes que les marchandises comme le café, le cacao, la nacre, les deux points de sortie sont Abidjan et San Pedro. À Noé, vers la frontière du Ghana, ce sont 114 sacs de poudre de cacao qui ont été saisis. Le préjudice est estimé à près de 5 millions de francs CFA. Toutes ces actions montrent la volonté des douanes ivoiriennes de protéger l'économie ivoirienne. Intéressons-nous à l'analyse de la durabilité des accords de paix en Afrique de l'Ouest, un projet qui doit être bientôt lancé officiellement par le CIRES. Ce programme vise à établir les conditions de durabilité des accords de paix par la communauté nationale des pays touchés par les conflits. Alexis Ouédraogo. Si la question des conflits et leurs modes de règlement font l'objet de plusieurs études, ce n'est pas encore le cas pour la gestion des accords de paix signés à la suite d'éclatements de conflits. L'observation actuelle du cycle de violence dans lequel se sont installés certains pays africains, alors que des accords ont été conclus, nécessite de jeter un regard sur la portée réelle des accords. Fort de ce constat, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES, vient de bénéficier d'un projet du Centre de recherche de développement international du Canada. Objectif, analyser la durabilité des accords de paix en Afrique de l'Ouest. Ce que nous avons constaté, c'est que les accords de paix qui sont signés à la suite donc de conflits ne sont pas durables. La question fondamentale, c'est quelles sont les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire en sorte que désormais, quand on a signé un accord de paix, on soit sûr que cet accord-là va aller le plus loin possible. Pour lui, la durée de vie moyenne des accords de paix n'excède guère 5 ans. C'est pour cela qu'il pense qu'il vaut mieux prévenir les conflits qu'intervenir pendant les conflits. Si nous avons plus ou moins des informations collectées de toutes les couches de la population, ça nous permet à nous de mettre en place donc un dispositif qui permette de prévenir les conflits.
L'objectif, c'est de faire en sorte que dans nos pays africains, que la contestation peut avoir lieu sans qu'on en arrive aux armes. Ce projet de recherche sur la durabilité des accords de paix en Afrique de l'Ouest, d'une durée de 2 ans, va coûter plus de 100 millions de francs CFA. Les pays bénéficiaires sont la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. À l'étranger, au Soudan du Sud, les combats fratricides se poursuivent. L'ONU tire la sonnette d'alarme sur les violences faites aux déplacés. Selon des témoignages, une véritable bataille de chars se déroule depuis 2 jours pour le contrôle de la ville de Malakal, qui est tenue par les forces gouvernementales. La capitale de l'État pétrolier du Haut-Nil a changé de main 2 fois depuis le début du conflit, le 15 décembre dernier. Les combats ont touché les installations des Nations Unies et des déplacés. La mission de l'ONU sur place dit avoir traité des dizaines de blessés dans son hôpital. Elle appelle toutes les parties à respecter l'intégrité des installations de l'ONU. À la suite des violences de mardi, le nombre de déplacés qui cherchent refuge à la base de l'ONU dans Malakal a presque doublé pour atteindre 20 000 personnes. La population tente de fuir la zone par tous les moyens. 200 civils sont morts noyés lors du chavirage d'un bateau sur le Nil Blanc. Plus au sud, dans l'état du Jonglei, le gouvernement du Soudan du Sud a annoncé la signature d'un accord de paix avec le chef d'une milice locale, David Diaoyo. Mais dans le reste de l'état, les combats font rage. À Djouba, la capitale, les déplacés ne cessent d'arriver à la recherche de protection, comme ici, dans le camp de Tamping. Dans ce site de protection où la plupart des civils sont arrivés au début des combats, nous avons maintenant 17 000 personnes abritées par l'Organisation des Nations Unies. L'ONU estime à 400 000 le nombre de déplacés à travers le pays. Certains dans des zones reculées, rendant difficile l'acheminement de l'aide. À cela s'ajoute l'attitude des belligérants. Le secrétaire général de l'ONU a accusé l'armée, comme les rebelles, de réquisitionner les véhicules, de voler les vivres et l'aide humanitaire destinée aux populations sinistrées. En bref, dans le monde, rendons-nous en Israël, au Sénégal et à Melilla. Une 60aine de clandestins subsahariens ont franchi la frontière grillagée qui sépare le Maroc de l'enclave espagnole de Melilla, après une première tentative d'assaut massif menée par 300 immigrants dans la nuit. Une 15aine d'entre eux se sont réfugiés sur le toit d'un immeuble. Les policiers les ont convaincus de descendre et les ont emmenés au centre de séjour temporaire. D'autres étaient tellement mal en point qu'ils ont dû être soignés sur place. Les immigrés africains en Israël continuent leur mouvement de protestation. Mercredi, ce sont essentiellement des femmes qui sont descendues dans les rues de Tel Aviv. Elles demandent à Israël de reconnaître leur statut de réfugiés. Elles protestent aussi contre l'adoption d'une loi autorisant le placement en détention des immigrés clandestins sans procès jusqu'à 1 an. Quelques 60 000 migrants, principalement originaires d'Érythrée et du Soudan, sont entrés en Israël sans autorisation depuis 2006. Beaucoup d'entre eux sont des demandeurs d'asile. Ils disent qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux sans risquer leur vie. Le chômage des jeunes au centre du 4e sommet des jeunes leaders qui se tient à Dakar au Sénégal. Présidé par la chef du gouvernement sénégalais, Aminata Touré, la rencontre a mis l'accent sur le nombre trop important de jeunes sans emploi en Afrique. Sur 10 chômeurs, 6 sont des jeunes âgés de 18 à 35 ans. Si nous prenons l'Afrique, nous avons 36 millions de jeunes africains âgés de 18 à 35 ans qui sont sans emploi. Ce qui fait à peu près un taux de chômage de 10,3%. Après ce tour de l'actualité sur le continent, faisons à présent le point de l'actualité en bref dans le monde. Et nous parcourons la Thaïlande, la France, le Guatemala et l'Irak, théâtre d'attentats. Au moins 55 personnes ont péri dans une vague d'attentats mercredi en Irak. 7 voitures piégées ont explosé dans et autour de Bagdad. Un attentat suicide a visé des funérailles au nord-est de la capitale. Un kamikaze a fait détonner sa ceinture d'explosifs. Les funérailles se tenaient au lendemain de la mort de cause naturelle d'un membre des Chawa, les milices tribales sunnites luttant contre Al-Qaïda. À Mossoul, ce sont 6 soldats qui ont été tués dans les attaques. Le pays est secoué depuis un an par une recrudescence des violences meurtrières. En Thaïlande, le gouvernement est resté ferme sur sa volonté d'organiser des élections législatives le 2 février.
L'opposition a refusé de participer à une réunion de concertation. Même si le gouvernement assure que le mouvement s'essouffle, d'importantes forces de sécurité ont été déployées à Bangkok pour faire face aux menaces des manifestants qui veulent bloquer la bourse et le contrôle aérien. Ils réclament la fin du système Thaksin. Les meneurs du mouvement veulent la mise en place d'un conseil du peuple non élu durant 18 mois avant d'envisager de nouvelles élections. Lors de sa troisième conférence de presse depuis son élection au Palais de l'Élysée, le président François Hollande a assumé et confirmé une politique dans la lignée social-démocrate et s'est engagé à tout faire pour l'emploi des Français. Le président Hollande a souhaité accélérer les réformes économiques en détaillant une politique de l'offre dans une démarche de compromis avec le patronat, baisse des charges sociales contre promesse d'embauche, avec la fin des cotisations familiales payées par les entreprises à l'horizon 2017. Le président français a surpris son auditoire par l'ampleur du dispositif annoncé. La police guatémaltèque a arrêté au moins 4 personnes en relation avec l'opération Enfarinage, dont a été victime la vice-présidente du Guatemala, Roxana Baldetti. Selon les médias locaux, 4 femmes ont jeté de la farine au visage de la vice-présidente alors qu'elle sortait du théâtre national. La vice-présidente a été brièvement hospitalisée, souffrant de difficultés respiratoires. L'incident s'est produit alors que le président Molina faisait une communication sur la lutte contre la malnutrition des enfants dans le pays. En sport, c'est une première. Un arbitre ivoirien officiera pour la première fois à la Coupe du Monde. Désiré Doué Noumandiez a été sélectionné par la commission des arbitres de la FIFA. Il sera accompagné par un autre ivoirien. Il s'agit de l'arbitre Yeo Sangifolo. Ange Assoukrou pour le compte-rendu. Désiré Doué Noumandiez arbitrera à la Coupe du Monde de football 2014 au Brésil. L'arbitre de champ rentre dans l'histoire comme le premier Ivoirien à officier à une Coupe du Monde de football des seniors. Une consécration pour cet Ivoirien après 10 années d'arbitrage international marqué par plusieurs récompenses, dont un titre de meilleur arbitre africain en 2011. Évidemment, c'est un très beau challenge. Vous savez, la Coupe du Monde, c'est le rendez-vous le plus important au monde. Sur le plan sportif, et pour tout sportif, c'est vraiment une sorte d'apothéose. Très souvent sollicité pour officier lors des grands chocs africains et par la FIFA, Désiré Doué Noumandiez sera accompagné par un autre Ivoirien, l'arbitre assistant Yeo Sangifolo. Ce sont donc 2 arbitres ivoiriens qui représenteront la Côte d'Ivoire au Brésil. Cette désignation de Doué Noumandiez et de Yeo Sangifolo, c'est le couronnement d'un travail qui est en cours. C'est une fierté pour nous, et surtout de savoir que c'est la première fois qu'un arbitre ivoirien arrive dans la phase finale de la Coupe du Monde. On est tout honoré. Pour Désiré Doué Noumandiez, la préparation pour le Mondial 2014 débute immédiatement pour faire honneur à la Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon début de journée à tous et à toutes.